Bonjour, bienvenue sur ce nouveau Matoscope Guitar Part, un matoscope consacré à la Craftermind T17E N Pro, tout un programme pour cette super guitare qui nous vient de Chine, mais qui a été conçue, élaborée, dessinée et vérifiée en Corée, où se trouve la maison mère Crafter, qui est une société familiale. Je crois qu'on en est à la troisième génération de dirigeants. Voilà, donc c'est pas un gros groupe qui s'occupe de la maison, mais toujours les descendants du créateur. On est ici sur un format OM, une orchestra. Cette Crafter est élaborée à partir d'une table massive en cèdre rouge américain. Une magnifique table. Cette table repose sur des éclisses et un fond en acajou stratifié. C'est superbement réalisé. La finition est satinée. Le manche est également en acajou. Un manche super agréable, très moderne. Hein. On est sur un profil au galbe du dos assez plat. Un manche fin, donc idéal pour les petites mains. Lorsqu'on joue dans les premières cases, on a vraiment beaucoup de souplesse, de facilité. Et puis ben, on peut monter. Alors on va être limité hein, à partir de la case 14, évidemment, parce qu'il n'y a pas de pan coupé. Donc il faudra faire un petit peu de gymnastique. Mais voilà, c'est une guitare que je recommande d'abord à tous les guitaristes qui viennent de l'univers électrique, parce qu'ils vont subir un dépisement très très peu déstabilisant. Voilà, pour les guitaristes qui viennent de la guitare classique, il faudra un temps d'adaptation pour le manche, parce qu'il est quand même super étroit. Mais après quelques heures de pratique, on trouve ses repères. Ouais, c'est un vrai régal à jouer. On retrouve une tête rétro, voilà, tête ajourée, avec de très très belles mécaniques Grover. Voilà, super agréable à manipuler, très précise. Les chevilles du chevalet, les chevilles en bois. Voilà, ce qui témoigne d'un souci de sérieux quand même. Ce modèle est équipé d'un super système électro. On a en effet un préampli à deux sources. Un piezo situé sous le sillet et un micro-électrette fixé sur un col de cygne. Donc on peut l'orienter de différentes façons. Le tableau de commande est discrètement situé sous la table, ici en bordure de rosace. Il permet des réglages de mix entre le son piezo et le son électrette. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre le piezo environ à 70%, le micro-électrette dans les 30% restants, pour éviter que ce dernier apporte du feedback et du larsen. Il permet d'avoir des basses, et puis un son globalement beaucoup plus chaud que le piezo seul. On a également évidemment un volume et un bouton clarity. Le clarity est une brillance. Comme il n'y a pas de tonalité, on agit avec ce petit bouton qui permet d'éclaircir le son. C'est super pratique, hein, puisqu'entre la clarity et la balance, on peut avoir tout un tas de nuances différentes. Ce qu'il faut préciser au niveau du micro-électrette, c'est que sur scène, il faudra éviter d'avoir des retours un peu trop forts, parce que sinon le micro-électrette va capter le son de votre retour. Et là, pour le coup, ça va faire beaucoup de feedback. Et puis, ça serait dommage de mettre un bouchon de rosace, parce que ça casse quand même le son. Une super sonorité électro qui ressort par ici. Vous voyez la sortie jack qui vient en complément des attaches courroies. Donc c'est pratique, ça évite d'avoir un seul bouton pour tout faire. Thank you.
Donc voilà, c'est une guitare semi-massive. La table est massive, mais pas le reste de la caisse. Je vous encourage vivement à l'essayer parce que c'est vraiment un modèle très très chouette sur lequel on peut jouer vraiment moult styles différents. Et puis qui en live, grâce à son format beaucoup plus réduit qu'une Dreadnought ou une Jumbo, évitera de subir les effets du feedback, même si le son sur scène est élevé. Alors il faudra toutefois faire attention aux micro-électrettes. Voilà, qui est un petit malin, donc qui a tendance à se régaler des fréquences basses et graves issues des retours. Mais ça reste totalement utilisable dans un contexte électro-rock, pas trop endiablé toutefois, mais quand même. Voilà, on peut se faire très très plaisir. Je vous signale qu'il y a également un pickguard transparent qui est livré avec la guitare. Voilà, on le met ou pas, selon ses goûts. Voilà, une magnifique guitare qui nous est proposée par Crafter. Et il n'y a plus qu'à l'écouter. Lors des essais de cette guitare, je l'ai pratiquée de longues journées et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à jouer des arpèges tranquilles, du picking. Le strumming est également très bien, mais il y a moins de charme. Hein, ce format OM et puis la table en cèdre rouge a vraiment une chaleur très propice au picking, voilà, à la douceur. Pour moi, c'est une guitare à jouer avec douceur, en arpège ou alors de la bossa, par exemple, des rythmes un peu chaloupés. Il faut éviter, je pense, hein, à mon humble avis, de rentrer dedans trop fortement avec le médiator. Voilà, puisque le son subit vite une compression. Et puis surtout, on ne profite pas de la magnifique chaleur du timbre. C'est vraiment très très chouette. Avec un capot d'astre, on découvre d'autres sonorités, vraiment avec plein de plénitude sonore. Il y a des résonances incroyables, hein, quand on va avec un capot d'astre vers la case 5, entre 5 et 6. Si on joue en accord ouvert, genre des mi mineurs, enfin avec des cordes à vide, on obtient des résonances magnifiques, quoi, avec des croisements de fréquences, d'harmonie. Et c'est là qu'on découvre vraiment tout le potentiel de cette guitare, qui, sur le plan esthétique, est relativement sobre, hein, si on accepte évidemment les incrustations Crafter. Pour mémoire, si vous connaissez un peu l'histoire de Crafter, c'est une marque qui s'est fait connaître avec des incrustations en abalone ou en lac partout sur le manche. Donc voilà, une guitare esthétiquement sobre, mais qui sur le plan sonore est hyper chaleureuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce Batoscope consacré à cette belle Crafter, dont vous pourrez retrouver des informations complémentaires dans notre magazine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Guitar Party, ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau Batoscope.